Salutations rédempteurs et rédemptrices, bienvenue sur la Geek Redemption, vous êtes en compagnie de Saiga pour la suite de notre let's play, sage découverte sur la bêta de Age of Eternity. Donc précédemment, on s'était vengé de l'espèce de monstre qui nous avait attaqué lorsqu'on était tout petit, il y a 8 ans avec notre sœur, où elle nous avait sauvé la vie et elle nous le rappelle à chaque fois. Alors, un éclat de cristal, d'accord, non consommable. J'ai revu la qualité de l'image de l'enregistrement, j'ai vu que dans les deux premiers épisodes, il y avait un peu... de temps en temps de la friture quand on bougeait la caméra, donc j'espère que les modifications que j'ai faites fluidifieront l'image. Voilà, j'ai tout juste eu le temps, je crois. Ouais. Avantage aux joueurs! Notre sœur attaque en premier. On enchaîne. Soit tout seul, easy. Ok, à la fin, en fait, on voit à chaque fois celui qui a donné le coup de grâce. C'est quoi ça? Que c'est juste une petite pierre. Elle est ici! Darkness pour la nature! Dawn. Tiens, je protège la nature! Bon, en l'occurrence, c'est plus pour sauver ma mère, je vais tous vous niquer! Là, on est dans une région beaucoup plus verdoyante que précédemment. J'ai l'impression d'entendre une petite voix en fond. Je sais pas si vous l'entendez. Pierre de cristal, attaque, défense magique, vitesse d'incantation, HP. Ah. Alors, cristal. Un cristal pour l'emplacement, moi je veux bien, mais là c'est verrouillé. Ok, donc elle pourrait pas. Et lui c'est un cristal bleu, et moi j'ai quoi? J'ai pas de cristal bleu. D'accord, donc on sera d'abord obligé d'avoir cela pour passer à cela. Ok, bon. Particulier. Du coup, il faudra de la chance au loot. Célestium. Je sais pas à quoi ça sert pour le moment. Du fer, ça je sais à quoi ça peut servir. Normalement, c'est pour tout ce qui est fer des armes. Vous, un ennemi, occupez un nexus qui comporte un cristal de soin. Les éléments de décor peuvent être affectés au cours de la bataille. Ici, le cristal sert, soigne tous les entités. D'accord, ok, ça sert à ça en fait dans ce décor. Ça peut être cristal de soin, et on est autour. Parfait. Bouf. Alors, caméra, caméra, Jean-Michel caméra. Voilà. Lui, il va achever lui. Il va se mettre sur lui. On va déjà l'entamer. C'est pas grave, on est dans la zone de soins. Allez, finish. On a eu des bottes, plus 1 en magie, plus 1 en défense et plus 1 en vitesse. Est-ce qu'elle va pouvoir les équiper? Parce que depuis le début, j'arrive à rien lui équiper. Oui! Enfin!
Alors, des B. Pour l'instant, c'est le gros défaut du jeu, enfin, le plus gros défaut du jeu au niveau des combats, c'est vraiment l'angle de la caméra. De base, comment elle est mise. I will commend your soul to the gods. Ah, par contre, ici, on a les cristaux, ça va me faire chier. Alors, tu es marqué, donc... Tuer l'ennemi en marquant en premier. Ok. On va essayer de caster un sort pour être plus fort, surtout qu'ils sont fragiles à la magie. Ah, presque one shot. Parfait. Oh, une pierre enfin. Alors, défense magique, hâte, vitesse. Cristal. Et plus tard, est-ce qu'on pourrait les enlever? Je sais pas du tout. Peut-être partir chez quelqu'un qui a un métier genre j'aime, joyeux, peut-être pour les enlever. Défense magique, j'aurais pu se mettre à un tank. Quelqu'un qui doit encaisser, mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, on fait comme ça. On verra bien si on peut tout changer à l'avenir. Je pense que oui, généralement, dans JRPG maintenant. On doit aller par là. Je prends juste ce petit objet ici. Ah, là aussi. Oh, il y a même un coffre, loin. De l'éther. Oh, je sais pas quelle importance le craft a dans le jeu actuellement. On est trop bas niveau pour savoir. The bridge is down. No way to cross. Ok, passage fermé. I should be able to make a makeshift bridge with one of the trees. On coupait un arbre, bien d'idée. That is going to take forever. Have a better idea? Let me check it out. These are old military devices, Celine. Abandoned a few decades ago. They're no good anymore. They were powered by crystals, weren't they? If left alone for a few years, even depleted crystals can recover a little bit of energy. D'accord. Let me try to tap into it. Bah vas-y, serait hein. Essaye, essaye de faire appel à ce qu'il reste de pouvoir. D'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi? C'est un système d'énigmes? Vous, ou l'un de vos ennemis, vient de se déplacer sur la grille du Nexus. Ah, j'ai pas le temps de dire. Ok, donc ça devait être un système d'énigmes, chacun se met d'à côté. Bon, c'était pas très compliqué. Encore un cristal jaune, bon je vais pas l'équiper tout de suite. Petite sauvegarde, on en profite. Des cristals rouges. Alors est-ce qu'on a apporté pour savoir ce que ça fait? Non, non, je pense pas. Alors on va savoir si c'est sensible au feu.
Ah, ça l'a pas achevé. Non, pas sensible au feu. Alors, contrôle, contrôle, voilà. Trop loin. Dommage. Elle a une certaine résistance physique en même temps. Il fait l'attaque tonnerre, bordel de merde! On va bouger ici. Alors, l'un de vos ennemis vient de se déplacer vers le Nexus. Lorsqu'une bataille peut vous pouvez bouger, voyez. On l'a interrompu. Saleté! Ah, j'ai pas vu ce qu'il fallait faire pour avoir le bonus de loot. Ok, non, je sais pas à quoi sert les cristaux. Comme les autres qui soignent, à mon avis, cela doit faire quelque chose, mais j'ai pas pu voir. Je t'attends de l'autre côté, Stel. Ok, c'est une tombe. Ah, on a une auberge, un feu de camp. Salut tout le monde, vous allez bien? On va dormir 8 heures. Moi j'aime bien dormir 8 heures, c'est pas mal. Comme ça on récupère toute l'énergie d'équipe. Vous décidez de rester là? Oui. Votre équipe reçoit un bonus, une nourriture, une attaque, on a dormi sans bouffer. Éclat de cristal. A prayer for your wayward soul. Comme ils sont un peu résistants, on va se mettre tous les deux sur le même. Alors Céline va attaquer avant, ça m'arrange. Ah, pas grand chose, il serait mort. Je pense qu'on va entamer lui. Si j'arrive à... Voilà. Oh, il y a une balise ici. Et on a une gemme. Add vitesse d'incantation et HP. Ah, c'est un peu magicien aussi. Une rouge. On va lui équiper parce que la vitesse d'incantation, pour tout ce qui est sorcier, c'est plutôt pas mal. Ouais, bah je peux pas. C'est verrouillé, cadenas. Bon. Pas grave. Trouver un moyen plus tard. Ah, on a une balise peut-être parce qu'ils sont nombreux. I will commend your soul to the gods. Avantage joueur. Non. On va aller à la baliste. Tu peux pas t'en servir? Non, sans déconner. Ah si. Interagir. Ouf! Ça c'est ce qu'on s'appelle faire preuve d'un peu d'intelligence.
peux m'en servir qu'une fois. Ah, dommage. Dommage. Toi, je vais t'achever. Il brûle. Eh ben les brûlures l'ont achevé. Restez hors de portée des ennemis, bonne façon de ne pas être interrompu, tout ça. Ressurance, ranime, oui. Salut Crocta. Darkness before dawn. Avantage joueur. Wow, qu'est-ce qui se passe là? Tourne la caméra. Jean-Michel, la caméra. Voilà. Another of those contraptions. Do you feel like performing one more miracle, Celine? Do the Anzid ask for permission before soaring up into the sky? I hate it when you answer a question with a question. Ah. L'amour entre frères et sœurs. Le temps est fini. Ok. Je suppose qu'il faut utiliser les balistes. Bon, pour le moment, j'arrive à résoudre les trucs sans difficulté. Est-ce que je vois pas trop leur intérêt actuellement? Anzud, Anzud. Why does that name ring a bell? It was a race of gigantic birds. Race d'oiseaux. They used to attack the Arcolites' airships, so the Arcolites, they. Right. They killed them all. I remember now. Cristal bleu. Et celui-là, peut-être qui rend des PM du coup. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, Calliope gardait férocement le domaine dont elle avait la charge. Si vous vous sentez observé, c'est que vous l'êtes peut-être. Attention où vous mettez les pieds. D'accord, un avertissement. Du fer. C'est un cristal de soin, il est vert. De loin, j'avais l'impression qu'il était bleu. Salut! A prayer for your wayward soul. Ne t'inquiète pas, Bambi, ça va bien se passer. D'abord, du feu! Ma pauvre, on a massacré toute ta famille! Ah, on a même une arbalète ici.
Ah bon, y'a pas besoin là. Oh là là. Ça brûle bien. Les biches dans cet univers brûlent très bien. Oh, des cristals verts. Qu'est-ce qu'il lui faut comme cristaux, lui? Du bleu. J'en ai pas. À elle. Ah, du vert. Attaque, défense magique, vitesse d'incantation, HP. Attaque, plus 3 magie, défense, plus 2 défaite. Ah, plus 1 en soin, mais elle n'a pas de sort de soin. Il y a peut-être ça, qui est à peu près moyen. En fait, il n'y a aucun qui est parfait parce que magie c'est bien. Vitesse d'incantation c'est pas mal. Défense magique c'est pas mal. Bon, je vais mettre celui-là. Prendre le coffre aussi derrière là-bas. Je ne l'avais pas vu. Une potion. Bon, on fait une petite sauvegarde. Et poursuivons. Donc on est plus qu'à 250 mètres. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Un gros loup mutant! Oh. Ah, ils ont une initiative. Alors, vous ou un ennemi occupez un nexus qui comporte un cristal de renforcement. Les éléments du décor... D'accord, c'est un cristal de renforcement. On sait pas s'ils sont sensibles au feu. Je peux pas aller sur la baliste? Non. Bon. On va bourrer lui en premier. Tu vas vérifier que s'il aime pas le feu. J'aurais peut-être dû commencer par celui de droite. Si je l'avais liquidé, on aurait pu avoir accès à l'arbalète. Voilà, on va griller ici. Ah, quoique, j'ai pas l'impression si on est dans la zone d'effet ou pas. Ouais, on est dans la zone d'effet. Recule. Le feu, ça lui fait rien. Bon. Ça fait toujours un de moins. Selene, Selene, cours pour ton cul. Rejoins-moi, cristal de soin. On pourra se positionner en position d'attaque, lui. Celui-là a une portée, même si ça lui fait pas grand chose. Ah, faut que j'utilise l'arbalète. Y'a pas moyen. Faut que je bute l'autre. Wow. Soigne-toi un peu. Faut que je fasse tout le tour comme ça là, mais vous déconnez. Ah, du coup l'autre se déplace. Je peux l'interrompre. C'est bien. Et on va bouger vers la baliste. Il
Mais au début, je me suis mal pris. J'aurais dû commencer par le côté droit. J'ai été un peu con. Allez, prends la baliste. Alors, est-ce que ça lui a fait bien mal? Ça lui a fait plutôt mal. C'est pas suffisant. Au niveau du cristal pour la renforcer. Toi, tu vas prendre une potion de soin. Lui aussi, je vais mettre au niveau du cristal. Comme ça, ils auront tous les deux un bonus d'attaque. Et cet enfoiré met une zone de... Ah, je suis en plein dedans. Bon. On a pas le choix, on bouge. Ah, il y a une sacrée armure. On va pouvoir le kick. S'arrête. Ah, c'est dommage qu'il soit pas sensible au feu. Ça aurait été bien pratique. La balette, elle est rechargée ou c'est moi? Ah, j'ai l'impression qu'elle est rechargée. Vérifier ça, toi tu tacques, et elle va se déplacer l'arbalète. Non, elle est pas chargée du coup. Si elle a pas, si. Bouf! Bon, on a eu une nouvelle épée. On va voir ce qu'elle fait. Alors... Plus 30 d'attaque, défense magique, défense et vitesse. Là, elle est pas mal. Il y en a une cape aussi. Magie, défense magique, vitesse. Alors, voyons nos équipements. Donc celle que j'ai équipée. Ah ouais, elle a beaucoup plus de stats partout. On la met. La cape, ça se met où? Parce que c'est pas pour lui. Ah, c'est une capuche, oui. Du coup, c'est une cape, mais c'est une capuche. Ok, donc c'est forcément pour elle. C'était pas de façon optimisée, mais on s'en est bien sorti quand même. Wow. Petit chargement du changement de décor. Bon, après tout, on est sur une bêta. Mais qu'est-ce que c'est? C'est dédié à la recherche du maître de Selene. D'accord. On va voir son sensei. Hiralsor. That's where we'll find your contact, right? If everything goes as expected, yes. It's one of the few cities still untouched by the war. As a result, it has welcomed a lot of refugees in the last months. It is the best place to hide in plain sight. Is your contact some kind of outlaw?
Not really, but he deeply values secrecy. Same goes for me. I don't want people to find out I'm a deserter. Well, maybe we should find a way around these cliffs first. They're too steep for us to climb down. If I remember correctly, there's an inn nearby. Maybe they will know the shortest way to Harrelsor. Ok, donc on doit contourner pour trouver un moyen de rentrer. En tout cas, la ville a l'air sympa au niveau de l'environnement. Stèle là-bas. Bonjour. A prayer for your wayward soul. Alors, frapper tous les ennemis sans frapper leur faiblesse élémentaire. D'accord, c'est quoi ça? Ah, on connaît pas sa faiblesse élémentaire aussi. Bon, pas besoin d'un temps de le faire. Voilà. Tranquille. Petit groupe là-bas. Et un point de sauvegarde. Alors, Pregan, brillant, a tué tête que seul peur était d'être incinéré vivant. Alors qu'il est mort, sa famille a piétiné son corps. Peut-être sûr qu'il ne se réveille pas. Bon, je pense que pour être sûr qu'il ne se réveille pas. A prayer for your wayward soul. Alors, par un brassard, si, ne laissez personne mourir dans votre équipe. Ça, en théorie, c'est largement faisable. Alors, on va vérifier si quelqu'un a une faiblesse au feu. D'accord, c'est pas une faiblesse. Non, oh, c'est des sortes de sangliers en fait. Si, attention, j'ai l'impression d'entendre le bruit du sanglier dans vous. On pourra faire de la barbaque. Alors, des brassards, donc attaque, vitesse d'incantation. Et lui, ça c'est quoi l'autre? Ah, je peux pas le voir l'autre. Elle peut pas l'équiper. Bon, c'est pas pour nous. Ou alors j'ai pas le niveau ou un truc comme ça. Alors, tac, tac. On va continuer encore un peu à avancer. Sachant que de toute façon, apparemment, on se dirige vers une auberge. Là, cette fois-ci, c'est un cristal bleu. Il n'y a pas d'ennemis. Bon, désolé si je passe pillonne pour ramasser plein de trucs. C'est juste que comme je connais pas l'importance du craft, j'ai pas envie de me retrouver bloqué bêtement. Ouh, ça fait un beau groupe à attaquer là. Bon, l'XP! Alors, infliger 3 états d'altération. Donc si j'arrive à leur brûler tous les 3 personnages, ça devrait aller. Je peux déjà en acheter un.
Ah, d'accord. Ah, mais ça risque de le tuer en fait. Ah, donc non, j'aurais pas dû attaquer, j'aurais dû rester en défensif. Bon. J'ai merdé. J'étais trop agressif, j'aurais dû plus temporiser. Essayer voir si. Non. J'en ai eu qu'un sur trois. Une cape de cuir. Alors ça j'ai peut-être plus pour mon perso là parce que. Ouais, voilà. Oh, le coffre s'était caché dans les buissons. J'ai failli le rater. C'est un mort chinois qui est en moi, se réveille. Oh, il m'a l'air bien gros ce jeu comme sanglier. Alors, terminer le combat sans que Selene ne souffre de dégâts. Oh, je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen. On va le booster et puis c'est bon, on n'en parlera plus. C'est un défi, ils sont tranquilles à faire. 11 d'attaque magique, défense, hâte, vitesse d'invocation. Ah, ça a l'air pas mal, je trouve. Cet homme qui, à chaque combat, il va aller dans son inventaire s'équiper. lui peut le mettre, mais c'est plus elle. Ah, elle peut pas le mettre. Oh non. Ah, j'aurais vu un plus un truc magique. Bon, tant pis. Il y a au moins quelqu'un qui peut l'équiper. Événement dynamique est en train de se produire à proximité. Ah. Ok, dans des systèmes d'événement dynamique. Mais j'ai pas eu le temps de tout lire. Endurer 359 de dégâts. Ouais, non, plus pour un petit truc de raise. On va vérifier s'il est sensible au feu. Ah, s'il survit d'ici là. Ouais, il a survécu. C'est pas rouge, donc non. Ça lui fait des dégâts normaux. Enlève statut de poison dans l'allié. D'accord. Donc on pourra se retrouver empoisonné. À savoir si ça reste entre chaque combat ou si c'est juste durant un combat. Allez, Loroco, viens là. We have no quarrel with you. Please go. Carapace, ok, bon. Alors, on arrive à un petit village, là. Sur la mini-carte, on a l'impression qu'on a le point d'exclamation des quêtes. Donc, on va avoir une quête secondaire. Le coffre, j'ai failli le rater. Oh,
dieu, les poulets ont bien changé! Oh, c'est des poulets tout mignons! On peut pas les tuer, merde! Oh, bah même lui, il est mignon! Un chat monture! Qu'est-ce que c'est? Alors, donneur de quête. Éliminer 6 technobandits, le village. On a une récompense. Bon, accepté. Bon, appuie sur X pour commencer la quête. Est-ce qu'on a un inventaire? Quête. D'accord, bon, on va juste aller voir avancer au point de la quête principale et on va voir après s'il faut faire demi-tour pour les technobandits. Petite sauvegarde, allez hop. On sait jamais si je plante un truc comme ça. Oui bon, le prochain truc est à 500 mètres. On va voir les technobandits, c'est nous-mêmes. Commencer le suivi. Eh, hey, vous deux, vous n'avez pas trouvé de champignons un peu particuliers sur votre chemin? Un champignon? Ouais, un champignon, une pomme, voire n'importe quoi, pour autant qu'il soit en cristal. Des fruits en cristal, vous voulez dire? Ça dépend, est-ce que ça vous intéresse de faire quelques ES? Nous ne sommes pas contre. Alors ouvrez vos oreilles, cela devrait vous être utile. Depuis quelque temps, des végétaux en cristaux sont apparus en sur-Erion. De façon totalement aléatoire. Parfois c'est une pomme en cristal, parfois un champignon, parfois une fleur. La raison de leur apparition reste mystérieuse. Certaines personnes les collectent notamment parce qu'elles sont... Excusez-moi, ça me désespère, simplement parce qu'elles sont jolies. Et ce n'est pas... Et vous n'êtes pas de cela. Pas du tout, je suis un chercheur et je tente de découvrir pourquoi ces fruits ont apparu. Et pour ça nous avons besoin d'échantillons. Exactement. J'ai quelques objets magiques dont je me séparerai volontiers contre des fruits exceptionnels. Vous pourrez les garder. Ok, ça me donne une quête lui aussi en fait. Je peux vous récompenser pour chaque dizaine de fruits que vous reportez. Si l'occasion se présente, ramenez. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Un petit indicateur bleu, c'est peut-être pour la quête secondaire. Bon, ça m'en éloigne. Je suis bien sur le suivi. Ok, donc les bandits sont peut-être par là aussi du coup. Écoutez, c'est ce qu'on va voir. Indicateur bleu pour l'instant, je sais pas quoi il sert. Ah bah. Il y a un bandit juste là, c'est merveilleux. Bonjour monsieur. This kind of feels like déjà vu. Mon dieu, c'est un bandit punk! Est-ce que vous brûlez bien, monsieur le bandit? Il brûle normalement, il n'a pas de faiblesse. Ok, donc 1 sur 6.
have no quarrel with you. Please go. Bon, quand c'est tout seul, je pense que la meilleure stratégie c'est de bourrer les attaques normales. Enfin, de toute façon, comme t'es obligé de passer par ici, vaut mieux prendre la quête secondaire, ça te fera toujours de l'XP. I won't enjoy this. Nor will you. Gagner le combat en moins de 3 tours. Ouais, ça va être facile, hein. J'ai l'impression d'être dans Pokémon. Dans les autres herbes à chaque fois qu'on se fait harceler par un truc. Voilà. Les gens laissent traîner des coffres n'importe où. On en a beaucoup ici. Un combat avec un plus gros challenge. Darkness before dawn. Bon, quoi qu'on aurait su en un isolé, hein. Monsieur. A prayer for your wayward soul. Ah ok, c'est eux qui ont le cristaux, pas moi. Ah, c'est de l'arnaque. Et le bleu donne un bonus de défense, très bien. Alors du coup c'est fait. Voilà, pas réussi à lui mettre brûlure. Il n'a rien pu faire. Retournez au tableau. Oh, il y en a plein qui sont pop là. Ça respawn ces saletés.
terminé. Et on a un pantalon, plus d'or magie, plus d'or défense magique. Ok. Et il n'y a pas d'autre quête. Alors est-ce qu'il est intéressant à équiper à quelqu'un? Et voilà! Elle a maintenant un pantalon! Bah écoutez tout le monde, je pense que pour cet épisode on va s'arrêter là. On aura un peu avancé, découvert de nouvelles choses. Je vous remercie d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi je vous fais des bisous, ciao tout le monde!